quelques jours, vous renouvellerez nos représentants. Ce choix sera crucial pour notre avenir et celui de nos enfants. L'obsession indépendantiste et l'incompétence ont conduit notre pays au fond du gouffre. Le bilan d'Oscar Temaro et celui de Gaston Tong-Tsong sont catastrophiques. Depuis plus de 2 ans, le Tahoeira Huiratira s'est reconstruit, s'est rajeuni, s'est modernisé. Vous avez accordé votre confiance à nos députés, Édouard Fritsch, Jonas Tahuetu et Jean-Paul Touaïva. Je vous en remercie encore une fois. Aujourd'hui, la liste que nous vous présentons est constituée à plus de 80% de personnalités qui entreront pour la première fois à l'Assemblée. C'est cela le changement. Par ailleurs, une équipe d'hommes et de femmes unis et solidaires travaille depuis plusieurs mois à la rédaction d'un programme de gouvernement solide et cohérent dont la priorité est la création d'emplois. C'est aussi cela le changement. Nous sommes prêts. Accordez-nous votre confiance. Nous remettrons notre pays sur la voie de la croissance. Comme vous, j'entends certains hommes politiques à l'ambition débordante nous dire que je devrais me retirer de la vie politique, que je devrais leur céder le pouvoir. Cette prétention, quel manque d'humilité, quel orgueil. C'est vous, chers concitoyens, qui choisirez ceux que vous estimerez les plus aptes à diriger notre pays, et vous seuls. Mes chers amis, j'ai consacré toute ma vie à mon pays. Durant plusieurs années, j'ai redoublé d'efforts pour construire une Polynésie moderne, ambitieuse et heureuse. Nos grandes places, Toata, Waiete, Paofai, nos grandes infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, notre chaîne de télévision TNTV, notre compagnie aérienne ATN, notre protection sociale généralisée. Toutes ces avancées sont l'œuvre du Tahoeira Huiratira. Mais comme chacun d'entre nous, j'ai aussi commis des erreurs et vous m'avez sanctionné. Ces dernières années m'ont beaucoup appris. Et au crépuscule de ma vie, je mettrai toute mon expérience, ma ténacité et mes dernières forces au service de mon pays, à votre service. Avec l'équipe qui m'entoure, avec le soutien des milliers de militants des îles du vent, des îles sous le vent, des Tuamotu Gambier, des Marquises et des Australes, avec la France, je sais que nous redonnerons à notre Polynésie que nous aimons la confiance et un avenir meilleur. Alors, ensemble, ayons la foi de reconstruire notre pays. Avant le second tour, un second Tahoeira conduit par Tevaru Fritsch et Gaston Tong-Tsong souhaite renouveler cette tragique expérience en nous jurant que cette fois-ci ce serait différent. Nous nous laissons plus berner, nous n'en avons plus les moyens. S'agissant du nouveau Tahoeira, quel bilan Gaston Tong-Tsong fait-il de sa gouvernance? Qu'a-t-il fait pour les Polynésiens? Qu'a-t-il fait pour défendre les fonctionnaires et les enseignants lors de la réforme de l'ITR? Comme sur tous les sujets, il fut invisible. Pour sa part, quel bilan Tevaru Fritsch fait-il de son action gouvernementale après avoir été ministre à 7 reprises? Le pim-pam-poum, une mesure qui pèsera lourdement sur les finances publiques pendant 20 ans, une maison de la perle qui constitue un échec cuisant en matière de développement de la filière perlicole, mis à part quelques slogans, le temps c'est bon, ou ça suffit. Lorsque Gaston Tong-Tsong l'a limogé de son gouvernement, peut-on réellement parler de bilan? Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi se prendre pour quelqu'un d'autre?
Anna Tetuanui franchir le pas, vous désolidariser du parti? Je pense que chacun peut s'exprimer dans ce pays. Dans notre parti, tout le monde peut s'exprimer. Je pense qu'il y a peut-être certains qui ont des réactions justifiées ou non justifiées. Mais moi, personnellement, après toutes les tempêtes que mon parti a traversées depuis 2004 jusqu'en 2013, où nous avons remporté la victoire à l'âge, j'appelle au bon sens de tous où mes amis. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Je suis élu Tahoué Ahoui Atira. Je le resterai loyal puisque j'ai été élu sur une liste Tahoué Ahoui Atira. Mais si... Plus loin, il dit qu'une nouvelle majorité serait en gestation grâce à une alliance entre le Tavini, ATP et des dissidents du Tahoué A. Vous le confirmez, vous, aujourd'hui? Ça, ce sont encore des gens extérieurs au Tahoué Ahoui Atira hein, qui sont en train de faire courir ce bruit. C'est Gaston Flosse qui l'a annoncé lors du discours il y a deux jours. Mais je pense que non, ce n'est pas d'actualité. Je pense qu'il faut qu'on tire des leçons du passé, puisque les alliances que nous avons faites par le passé, j'y faisais partie, ça nous a pas du tout apporté, ça n'a apporté que de l'instabilité dans ce pays. Aujourd'hui, je constate, nous sommes une majorité forte. J'appelle au bon sens de tous mes avis, il faut que nous restons solidaires. Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi se prendre pour quelqu'un? Et puis voilà quoi. Alors sinon, est-ce que tu serais partante pour ces sénatoriales? Non, mon souci à moi aujourd'hui, c'est l'équité et puis le calme dans ma famille politique. Hein, c'est ça qui est. D'assurer la paix dans notre pays. Donc il appartient donc au président du pays de se tourner, bien sûr, de respecter le président du Tahoué-là, mais d'ouvrir également les portes de l'exécutif, enfin pas les portes de l'exécutif, mais nos commissions. Il faut que l'opposition participe également, mais sans pour autant que ce soit une ouverture politique. C'est l'ouverture d'esprit. Et... Pourquoi tous ces mensonges? Sylvana Apuretini, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le tout nouveau groupe, hein, Tapura Huiratira. Il y a deux ans, vous aviez une majorité confortable après les élections. Alors, est-ce que vous envisagez un remaniement ministériel maintenant, avec Tevaro Fritsch, notamment aux commandes d'un ministère? On en entend beaucoup parler. Bon, je ne pense pas. Hein, cette question, vous la poserez au président du pays. Pourquoi tu sais mon Il ne faut pas, à mon avis, arrêtons de lui prêter des intentions ou des comportements qu'il n'a pas dans le fond. C'est un chef de guerre, n'oubliez pas, ça fait, tout le monde le sait que Gaston est comme cela. Mais heureusement que nous l'avons. Heureusement que la Polynésie l'a eu et l'a encore. Voilà. Donc, c'est pas possible. Pourquoi Edouard sans Gaston Flosse, c'est pas possible? Vous savez, il faut regarder tous les hommes politiques qui nous ont quittés parce qu'ils ont voulu voler de leurs propres ailes, parce qu'ils ont voulu contester des décisions, parce qu'ils n'ont pas accepté une discipline de groupe. Regardez ce qu'ils sont devenus. C'est pas parce que je vais demander... Cet après-midi, je vais demander à M. Géros ce qu'il pense du calendrier que nous avons arrêté ensemble. Je vais voir Tevaro Fritsch, je vais les consulter. Mais ça ne veut pas dire que je dépends de Tevaro Fritsch ou que je dépends de M. Géros. Arrêtez, c'est pas parce que je vais demander l'avis de mon ami Tevaro Fritsch que j'ai décidé d'ouvrir la majorité. Il y a un problème là, où les gens font de la paranoïa, mais c'est laissez-nous la liberté de pouvoir consulter les uns et les autres, comme au Tahoué Ahoui Atira, quand on a une équipe, il faut travailler en équipe, ça veut dire qu'on ne prend pas les décisions tout seul. Politiquement, à 38,
on ne prend pas le risque de s'élargir, c'est un risque. Il faut faire attention. Moi, j'ai été élu par mes électeurs. Donc, il n'est pas question du tout aujourd'hui d'élargir sa majorité. Puisque le quoi, pourquoi tu fais mensonge? Pourquoi se prendre pour quelqu'un d'autre? Le grand conseil au grand complet pour un moment historique. Le passage de témoin entre le leader de toujours et son dauphin. Après les discours, c'est à l'unanimité que le Grand Conseil a voté pour qu'Édouard Fritsch dirige le pays dès vendredi. C'est le seul parmi nous tous au Tahoueraa capable de reprendre le flambeau. Édouard Fritsch sera vraiment libre de gouverner comme il l'entend? Non, je n'ai pas dit qu'il sera, il sera libre de choisir les ministres qu'il voudra. Mais il a une... il a une fiche de mission, il a le programme de Tahoueraa, il doit respecter le Tahoueraa, respecter les engagements que nous avons pris devant le peuple. Il ne doit pas s'en écarter et nous serons là pour le lui rappeler. Une unanimité conditionnée par le strict respect des consignes du Grand Conseil, aucune alliance avec l'opposition. Non, il n'y aura pas d'ouverture et c'est tout à fait normal. C'est pas parce que j'ai de bonnes relations avec Tevaro Fritsch qui reste un ami, ou avec Oscar Temaru qui est aussi un ami, que nous allons ouvrir. Non, ce sont des bruits qui sont plus un mépris vis-à-vis de ma personne, parce que la Polynésie, les Polynésiens connaissent mon degré de loyauté, de fidélité à mon président et à mon parti. Donc bien sûr que je ne tromperai pas mon Tahoueraa Huiratira. Clair là-dessus. J'ai ma majorité. La majorité, c'est la majorité de Tahoueraa Huiratira. Nous sommes 38 à l'Assemblée de Polynésie française. On n'a pas besoin d'aller s'acoquiner, je dis bien s'acoquiner avec d'autres groupes à l'Assemblée. Je crois que les autres groupes aussi, je parlais d'Atia Polynétia et l'UPLD, n'ont pas dans leur projet de venir constituer une majorité avec nous. Le jeu de la démocratie, c'est qu'il y ait une majorité et une opposition. Ma majorité, la mienne, c'est le Tahoueraa Huiratira. C'est clair. Attaque faite aujourd'hui par le président du parti, on a entendu parler d'une union, d'une nouvelle union de la majorité qui serait en train de se faire entre Atia Polynétia, les dissidents du Tahoueraa et le Tavigny. Est-ce que ce sont des choses qui sont dans l'air ou c'est complètement farfelu? Je crois que c'est la cinquième fois que vous me posez la question. Et ça va être la cinquième fois que je vais vous dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de combinaison envisagée aujourd'hui avec l'opposition. Donc tout ça, c'est dans la tête du président du parti. Il n'y a pas de contact à ce niveau-là. C'est pas parce que je reçois Oscar Temaru ou que je reçois Tevaro Fritsch que j'ai en tête de mettre en doute ma majorité, parce que ça reviendrait à cela. Alors je vous le dis clairement, j'ai confiance dans ma majorité, j'ai toujours confiance. Le troisième engagement, et vous savez qu'il me tient à cœur, c'est celui du respect de la parole donnée. Pas la parole donnée entre nous, la parole donnée devant la population. Si vous voulez parler de mes relations avec le groupe à l'Assemblée, bien sûr que, aux yeux du public, il y a des problèmes, hein, puisqu'on me refuse même une remise à niveau de mes indemnités. Je ne peux pas dire que les choses vont bien, je serai un menteur. Hein, mais j'ai besoin de gagner de l'argent.